D'abord, je vous dis, je suis prêt à tester dans la Bible. Je dis, je crois que Jésus a été envoyé. Comme quoi? En tant que fils de Dieu. Voilà, voici le problème. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Je te dis que Jésus n'est pas fils de Dieu. Ok, ça, on va traiter ça tout de suite. Ça, on va en arriver. Oui. Mais pour l'instant, aide-nous d'abord. Oui. Ce que ma mère dit là. Oui. Oui, mais tu viens verser complémentaire. Non. Pour renforcer le coup de la vie, tu m'as encore perdu. Non, c'est qu'il a dit, il n'y a pas de truc extraordinaire là-dedans. Alléluia. Amen. Il est troublé. Je suis pas une innovation. Un gars. Mais je comprends pas. Je vais te montrer encore notre verset. Oui. Pour renforcer le coup. Vas-y. Pour prouver que ma mère, oui, avec son coup, est carré. Nous lisons. Surat 19. Surat 19. Ayat 71-72. Nous écoutons. Il n'y a personne. Mohamed dit, il n'y a personne. Parmi vous. Il ne passera pas par l'enfer. Hey, tu vas faire. C'est parce qu'il est dans la confusion de la ténèbre. C'est vers la fin de sa vie là que Dieu a ouvert une brèche. Montrez-lui à son groupe les destinés. Il n'y a personne. Vous les musulmans, la Mohamed vous dit, il n'y a personne. Parmi vous. Il ne passera pas par l'enfer. La monnaie, tu as mis à tout dans la. C'est l'extérieur qui est blanc. Mais au-dedans de toi, c'est Satan. C'est ça. Vas-y. Car. Il s'assit là. Je préfère m'habiller en tchatchouin, porter de ma terre. Je préfère porter un habit noir, un habit sale. J'arrive là. Tu avais le temps avant de lire le verset. Tu vas parler d'abord. Tu vas me montrer qui je suis. Non, laisse-moi aussi parler avant de lire le verset. Lis le verset. Quand tu vas finir là, tu vas finir tout de suite après la parole. Il n'y a personne. Satan. Alléluia. Je préfère porter des vêtements sales. Les habits des mécaniciens. Et annoncer la vérité dans toute sa clarté. Amen. Que d'être en tout plat. Et suivre de façon boutonnière. Une religion qui n'a ni que ni tête. C'est ça. Voilà le danger. Nous disons. Il n'y a personne. Parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. Le Coran dit, il n'y a pas un musulman qui n'a pas en enfer. Car. Il s'agit là pour ton Seigneur. Il y a d'autres païens. Les fanatiques et musulmans qui disent que ça là. Ils s'adressent aux païens. C'est pas païen. Parce que quand on dit ton Seigneur, toi ami, on se lit à celui qui croit au Seigneur. Il dit, tu fais l'interprétation en même temps. Il n'interprète pas. Il n'interprète rien. Laisse-le finir. On dit ton Seigneur, il s'agit là pour ton Seigneur. Laisse-le finir. Celui qui n'est pas content qu'il se cherche. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de Seigneur là. Je suis ferme dans mes décisions. C'est ça. Lisons. Il n'y a personne parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. Surat 19, ayat 71-72. Voilà. Car. Il s'agit là pour ton Seigneur. D'une sentence irrévocable. C'est-à-dire, d'un jugement continuable. Moi, tu descends haut. Tu vas l'enfer. Oui, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Le tempieux ou bien vampire, tous d'abord en enfer. Et là-bas. Et nous y laisserons les injustes à se nouer. Quand on dit I, c'est que c'est un endroit, un lieu. Alors, c'est ceux qui sont mauvais qui vont rester là-bas. Qu'est-ce que tu vas penser de cela? Bon, je vais te donner un exemple très concret. La prison que vous connaissez, il y a des gardiens là-bas. Quoi? La prison de Yopougon. Oui, il y a des gardiens là-bas, non? C'est ça. Il y a des gens qui travaillent là-bas. C'est ça. Est-ce que tout le monde est prisonnier là-bas? Tout le monde est prisonnier. Est-ce que tout le monde sent la souffrance là-bas? Tout le monde sent la souffrance. On appelle ça la prison. Tu dis, on appelle ce lieu la prison, non? Il y a des gens qui travaillent là-bas, il y a des gens qui sont en prison, ça fait Dieu. Non, je te donne un exemple très concret. Est-ce qu'il y a quelque chose? Écoute, je dis, la prison de Yopougon. Il y a des gens qui travaillent là-bas, qui ne sont pas prisonniers. Voilà. Vrai ou faux? C'est vrai. Il y a des gardiens là-bas qui ne sont pas prisonniers. Voilà. Mais quand tu dis je vais à la prison, immédiatement, tu as quoi en tête? Tu vas voir des gens qui sont en difficulté. Très souvent. Vrai ou faux? Ça, c'est la question de toi. Non. Après ta compréhension, vient à un certain niveau, tu es tous. Donc, l'enfer que Dieu dit ici, il faut. Voilà pour les dire. On ne lit pas le Coran comme un roman. Quand je vais à la prison, il y a des gens qui sont là-bas. Tout le monde n'est pas en prison. Il y a des gens qui travaillent là-bas, qui sont à l'aise.
Mais on sait qu'est-ce que représente la prison. Mais tout le monde n'est pas de là-bas. L'enfer que Dieu dit ici, que vous tous lui allez par l'enfer. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il parle. C'était un illettré, il ne savait pas lire, il savait rien. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il dit. Parce que Dieu dit moi-même, hein, quand vous ne comprenez pas ce domaine, je vous laisse. C'est Dieu qui lui parle. De la manière Dieu parlait à Moïse, c'est la même chose. Donc l'enfer que Dieu dit dans le Saint-Coran, oui. Il y a des gens qui vont passer sans même savoir que c'est l'enfer. Je t'explique, tu ne peux pas comprendre. Les pieux, ceux qui ont la lumière de Dieu sur eux, ceux qui ont fait les bonnes œuvres ici, bah, mais même sur la terre ici, ça arrive. Vous êtes innocent, vous êtes un homme de Dieu, il y a des adorables, vous passez mais sans vous en rendre compte. C'est un mauvais point. Mais quand vous passez, il y a quelqu'un qui vous demande, il a fait comment pour passer là? Mais ce qu'il a sur lui, vous ne pouvez pas le savoir. Donc ce pont-là, c'est réservé à qui? Aux mécréants, à ceux qui ont mécrit à Dieu. Sinon les croyants, ils vont le passer sans s'en rendre compte. Ils vont le passer sans s'en rendre compte parce que eux, ils auront la lumière de Dieu sur eux. Ça veut dire que à la fin du classement, Dieu a dit, il dit, les heureux iront au paradis parce qu'ils auront la lumière de Dieu sur eux. Quand ils vont passer son pont, maintenant les mécréants qui ont mécru au message de Dieu, ils ne pourront pas le franchir. Ils ne pourront pas le franchir parce qu'ils ont mécru à leur Seigneur. Donc, les croyants vont passer et les mécréants vont rester. Ok, j'ai dit, l'interprétation que tu as donnée là. C'est tellement joli à entendre que j'aimerais avoir une sourate qui soutient ça. C'est ça. Quoi? Une sourate qui soutient ce qu'elle fait. Comment ça? C'est que tu expliques là. Parce qu'il y a lui un verset qui dit que tous les musulmans font affaire. Et toi tu dis non. Que c'est un pont. Mais il a continué la sourate. Nous continuons. Mais sourate 19. Oui. Ayat 60. Il faut bien écouter. Moi, c'est que je sais ici là. On n'a qu'à reprendre, puis on écoute ensemble. On n'a qu'à reprendre. Reprends. Ok. Reprends. Il n'y a personne parmi vous. Ça ne sera pas par l'enfer. Oui, car. S'il vous plaît. Car. Il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur. Une sentence irrévocable. C'est qui ça même? Qui l'a fait? Il n'y a personne parmi vous. En grammaire là, il crée que là c'est un atout à complément circonstanciel de lieu. C'est ça. Et toi tu dis bon, bon. C'est quoi même? Oui. Il n'y a personne parmi vous. Hein? Qui ne passera pas par l'enfer. Je ne veux pas dire sur le pont. Est-ce que pont avec l'enfer, c'est la même chose? Oui. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur. D'une sentence irrévocable. Nul ne peut échapper. Oui. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons. Voilà. Les injustes à ce niveau. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que ce que je vous ai expliqué, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'enfer va se faire les pillages. C'est ça. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, l'enfer que Dieu a dit ici, il aura un pont sur cet enfer. C'est écrit pour. Mais ici, je vais vous dire quoi? Il y a le Coran ici, on appelle l'interprétation du Coran. L'interprétation du Coran, chaque verset ne sont pas descendus comme ça. Il y a eu des faits, il y a eu des choses qui se sont faites et puis c'est descendu. Ici, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que quand vous lisez ça, il y a des bouquins qui interprètent les versets. Vous n'avez pas ça dans ça. Ici, on a fait que la tradition, ce que vous dites. Donc, selon vous voyez, après avoir fait la lecture du Coran, il y a un document spécial dans lequel la tradition. On appelle ça l'interprétation du Coran. Les hadiths.
il y a les hadiths et puis l'interprétation du Coran. Nous lisons le verset pour te montrer que hadith avec votre interprétation là, c'est Satan. Amen. Le Coran dit ne même pas de complication. Oui. Faites un peu de recherche avant de dire de une recherche qui n'est pas basée sur les écritures est la fausse. C'est ça. Amen. Oui. Surate 10, ayat 91. Voilà. Et ne sois point de ceux. Ne sois point de ceux. Tête de mensonge. Qui tête de mensonge. Les versets d'Allah. Les versets d'Allah. Tu seras alors du nombre des prétendants. Tu vas te perdre toi-même. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Surate 11, 1. C'est un livre. C'est un livre. Dont les versets sont parfaits en style. Les versets sont. On n'a pas besoin d'aller interpréter comment c'est. Les versets sont parfaits en style. Et en sens. Et en sens. Émanant d'un sage. Ça veut dire que si c'est l'enfer, c'est que réellement c'est. L'enfer. C'est pas bon. Les malades des sages continuent. Parfaitement connaisseurs. Tu vois le problème? Attends, prends la Bible. Prends la première surat. Prends la première surat du Coran. Prends la première surat du Coran. Moi, je vais t'expliquer. Prends la première surat du Coran. S'il vous plaît, calme-vous. Ce que Dieu veut dire par là. Alléluia. Amen. La presse va nous lisons. Lis. Surate 1. Oui. Ayat 1. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Tu parles de prologue ou bien? Non, non, non. La surate 2, la surate 2, la surate 2. Est-ce qu'on peut écouter? Ouais. Alif. La mime. Voilà, arrête là. Est-ce que moi peut-être tu veux dire là? Alif Lam Mim, vous m'expliquez. Moi, je suis pas arabe. Et c'est la zone là. Maintenant, vous avez Alif Lam Mim, c'est explicite.